J'ai inventé pour ce roman Les Talons Rouges une famille, les Villemort, qui sont une famille, je dirais, d'aristocrates, comme il en a existé beaucoup, enfin un certain nombre, notamment au moment de leur confrontation à la Révolution française. C'est un moment où l'aristocratie était vraiment un peu en porte-à-faux. À la fois, elle a beaucoup voulu réformer le royaume, et en même temps, elle a compris très vite que 1789 allait être un peu une rupture, une épreuve, comment survivre dans un monde nouveau. Et donc, cette famille des Villemort incarne ça, incarne cette ambivalence, cet intérêt pour ce qui va arriver, et cette crainte aussi de voir son statut remis en cause. Alors, ce qui est évidemment un peu particulier dans Les Talons Rouges, c'est que, d'une certaine manière, j'ai poussé jusqu'au bout les caractéristiques d'une famille aristocratique. C'est-à-dire, on dit les aristocrates, c'est la lignée, c'est une sorte d'éternité, hein, depuis l'ancêtre jusqu'au dernier né. Puis les aristocrates, c'est aussi souvent des gens qui sont très attachés au sang, hein, le sang pur, la race. On parle même parfois d'une idéologie du sang. Hein, donc il s'agit de ne pas déroger, de garder une sorte de pureté du sang, hein, le sang bleu. Et donc, en poussant ça jusqu'au bout, l'éternité plus le sang, ben, j'ai fait des Villemort une famille de vampires, en fait. Voilà, c'est un petit peu ça qui est un peu la clé du roman. C'est-à-dire que comment, devant l'événement qu'est la Révolution, peut réagir une famille de vampires. Moi, je suis un historien. Je suis un historien depuis très longtemps, disons depuis 30 ans, en fait, de la Révolution française. C'est mon premier domaine de recherche. C'est quand j'ai passé l'agrégation, puis quand j'ai commencé une thèse d'histoire, j'ai fait une thèse sur la Révolution française. Et plus particulièrement sur le corps pendant la Révolution française, et plus particulièrement encore, j'ai beaucoup travaillé sur la présence de la mort, des cadavres, voilà, pendant la Terreur. Pourquoi est-ce que la Terreur est ce moment qui a été, à la fois qui a beaucoup donné la mort, et qui l'a beaucoup reçu aussi, et puis qui a été véritablement obsédé par le morbide. Et donc, voilà, c'était... la Révolution, c'est un sujet de recherche, si vous voulez. Et ce qui m'a vraiment amusé, passionné et décidé à tenter ce pari d'un premier roman, c'est de pouvoir, à partir de mon objet de recherche, un objet de recherche universitaire, si vous voulez, ou d'essai sur la Révolution, d'historien, de pouvoir, grâce à la fiction, grâce au roman, pousser un peu à bout les hypothèses, aller jusqu'au bout des hypothèses. Et par exemple, la présence de la mort sous la Révolution, évidemment, c'était tout à fait passionnant de l'observer du point de vue de la fiction, du point de vue du roman, notamment de ce qui est peut-être le plus fictionnel dans le roman de l'époque, hein, dans le roman gothique, c'est-à-dire le fantastique, c'est-à-dire une famille de vampires. C'est sûr qu'en allant comme ça jusqu'au bout de ce que peut permettre la fiction, d'une certaine manière, on radicalise un petit peu les idées et les hypothèses qu'on peut faire quand on veut comprendre une époque, et en l'occurrence pour moi la Révolution.